Salut à tous, c'est Mister. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Bloodborne. Je sais, ça fait un petit moment, ça fait au moins 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo dessus. Et mon dieu, ça va bientôt être la fin du monde. Non, je déconne, ça va. De toute façon, je peux en prendre qu'à moi-même parce que j'ai perdu l'habitude d'y jouer maintenant. Non, ça va à peu près. Enfin, on verra ça. Du coup, oui, pour ceux... Je suis désolé, hein, voilà, de pas y avoir joué plus souvent. Pour ceux qui attendaient ça, voici enfin la suite. Et pour ceux qui savaient pas du tout que je faisais des vidéos sur Bloodborne, je vous invite à regarder la playlist sur ma chaîne. Et c'est parti, on continue. Donc, on avait battu un boss. C'est tout ce que je me souviens. On avait battu un boss et j'avais vu après qu'il fallait se rendre au bois interdit. Donc là, je suis dans les bois interdits, hein, voilà. En fait, je connaissais déjà la zone. Toi, tu vas te taire, oui. Je connaissais déjà la zone parce que je m'y étais entraîné une fois en dehors des enregistrements. Et donc ça va, je connais à peu près la zone. Par contre, je suis pas allé jusqu'au boss encore, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ouch! Wow! Non. Et je sais qu'il y a des pièges aussi, genre en plein milieu du chemin, quand tu appuies sur une trappe, ça active un piège qui te tombe sur la gueule, ou des trucs comme ça. Parce qu'on aime rajouter des trucs fourbes sur ce jeu. Genre ça, c'en est un, je crois. Je me casse. Ça va, on a le temps de les esquiver, on les entend venir et tout, donc ça passe. Ça passe, ça passe. Coucou, toi. Comment vas-tu? Attaque-moi. Oh oui. Oh oui. J'aurais pu l'achever, bordel. Oh oui. Oh, des fragments jumeaux, comme c'est gentil. Ouais, voilà, je sais qu'il faut descendre là parce qu'il y a des lanceurs de jarres, mais moi je préfère les attaquer comme ça. Ce qui n'a pas marché comme je voulais. Très bien. Oh mon dieu. Eh bien, viens mon petit. Bah oui, bah oui. Allez, viens me voir. Viens faire un câlin, Gridou. J'ai dit viens faire câlin, Gridou. Là. Mais wow. Allez, viens, viens, viens voir tonton Gridou. Oh non, pas le chien. Ah, 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 ah. What the fuck? Il a fait super mal. Mais oui, c'est ça, t'as de l'avenir. Peut-être, dans une autre vie. Vous savez faire que ça de vos journées? Sérieusement? Jeter des cailloux aux passants? Enfin, des jarres ou je sais pas quoi? Il faut passer par ici, par le petit chemin de fleurs, comme c'est magnifiquement dramatique. Oui, 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 j'aime beaucoup. Là aussi, il y a un piège. Genre, on va faire YOLO. Coucou. Ouh. Oh. Oh, même c'est pris de face comme ça. Ça fait pas du bien. Coucou. Ouais, je sais, j'ai pas frappé à la porte avant d'entrer. C'est mal poli, je sais. Qu'est-ce que tu veux, toi, sale paysan avec ta fourche? Eh ben non. Pas aujourd'hui. Non plus. Eh bien. Non, arrêtez avec les cocktails, sérieusement. J'ai eu ma dose dans l'épisode d'avant, d'ailleurs. Si vous l'avez pas vu, hein, voilà. Ah oui, on était dans le village des sorcières, qui aimait beaucoup lancer des cocktails molotov. Aïe! C'est dangereux. Ça fait mal. Oh, oh. Mixture acre, je sais plus à quoi ça sert, on s'en fout. Ici, ça ne souffle pas de ce côté. Ah, ici, il y a quelqu'un qui en peut parler. Oh, grand Dieu, vous voulez bien arrêter ça? Quoi que vous fassiez, vous nous portez malheur. Mais arrêtez de me rejeter comme ça, les gens, j'ai rien demandé. S'il vous plaît, laissez une pauvre vieille femme tranquille. Mais je suis là pour vous aider. Hé hey. Très bien. What?
What? What? Mais c'est quoi tous ces chiens? What the fuck? Je le sens pas là. Je le sens. Oh non, pas toi! Est-ce que je peux les battre maintenant? J'en sais rien du tout. What? C'était quoi ça? Oh, ce coup. Coup de pied, j'allais dire. Pact, qu'est-ce qu'il a fait? J'aime pas trop ses ennemis parce que. Oh non! Oh, il a fait super mal! Non! Je suis coincé! Non! 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 Mais genre quoi, le machin il m'enlève les trois quarts de ma vie en un coup! Il te faut un coup de paume ou un coup de pied et ça y est quoi! Waouh! Ah, faut que je me retape tout. Ça me fait un peu chier. Je veux mes échos du sang. Tous ces gentils petits échos du sang. Voilà. Et toi, tu vas te calmer, oui? T'en as marre de toi, hein? Et non, c'est mort, je ne me ferai pas avoir encore une fois par ce piège. Non. Et vous savez quoi, j'entre encore une fois sans frapper. Enfin, sans frapper à la porte. Wow, le paysan à la fourche, là, il va se calmer. Il était pressé de m'embrocher ou quoi? Dites-moi qu'il y a encore mes échos du sang, dites-moi qu'il y a encore mes échos du sang, dites-moi qu'il y a encore mes... Genre, c'est le corbac qui les a bouffés. Ah, allez, donne-moi tout ça. Et toi? Tiens. Et tiens! Et tiens! Wow! Eh ben non! J'aime pas qu'on me saute dessus comme ça, hein! Ah, le coup de pied! Il est mort? Oui! Ah, j'ai enfin réussi à en battre un. Et il donne des pauvres fragments de pierre de sang de merde. Ok, donc on a rien là, mais j'ai vu sur les solus qu'on pouvait monter sur le toit ici, apparemment. Peut-être. Ne me tue pas. Oh, je t'ai vu, petit corbac. Hein. Je croyais être discret, mais c'est mort. En plus, tu n'es pas tout seul. Tu as ramené tes petits amis. Comme c'est gentil. C'est gentil de penser à moi pour me donner un peu d'expérience comme ça. Chapeau de l'église blanc, tenue de l'église blanche, long gants chirurgicaux, bas de l'église blanc. Et qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est bien tout ça? Je ne pense pas, j'imagine. Ouais, non. Enfin, c'est peut-être orienté vers la protection contre les dégâts spéciaux, mais ça m'intéresse pas ça. Ok, donc maintenant il faut continuer à aller sur la plateforme en bois, et apparemment c'est rempli de lanceurs de cocktails. Pourquoi il y a un paysan avec sa fourche ici? Surprise! J'ai prévenu, hein, j'ai crié avant. Surprise! Oh, le petit combo comme ça, j'aime beaucoup, c'est sanglant, c'est beau! Je crois que je vous l'avais pas encore montré, je crois, ce petit coup discret comme ça, furtif, et en fait, ça fait gicler du sang comme pas possible. C'est moi ou l'ennemi là-bas est bloqué? Ou alors il nous improvise une petite danse. Hey! Allez, c'est bon. Je t'ai débloqué en te donnant l'envie de me trucider avec ta hache. Sauf que voilà, tu es mort. Comme c'est dommage. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est un signe. On vient de nous donner 11 cocktails Molotov. Et vu la couleur de ce truc en bas, c'est pas ce que je voulais faire. Je me trompe toujours de touche. Ils sont où les cocktails? Pourquoi j'ai plus de cocktails dans mes raccourcis? What the fuck? Ah, c'est comme ça, voilà. J'étais en train d'essayer de me rappeler comment on met les objets en raccourci. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Et vous? C'est quoi ces créatures? C'est moche? Absolument immonde?
Bon, je sais, il n'y a que des créatures immondes dans ce jeu, mais enfin, voilà quoi. Donc, qu'est-ce que je fais du coup? Bonsoir, votre calendrier des pompiers. Ah. Qu'est-ce que vous voulez? Tiens. Dans ta tronche. Tiens. Tiens. It's cocktail time. C'est absolument immonde. Coucou toi. Pourquoi tu me tournes le dos comme ça? C'est pour que je t'attaque? Oh, c'est trop tentant. Et merde. Tiens. Ah bah oui, ça... Ah, le... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai fait une explosion de la mort qui a rien fait du tout au final? J'ai pas compris. Des fragments jumeaux... Des fragments jumeaux... Des fragments jumeaux... Ah, c'est bon ça. Oh, mais je reconnais cette porte. Oui, ça ramène au village. Très bien. Petit raccourci comme ça, on aime beaucoup. Eh bien. Oh, mais oui, tu t'es bien foiré gentiment, comme c'est beau. Et toi, t'auras même pas le temps de comprendre ce qui t'arrive. Ouah, il y a un tireur. Ouh. Sur le toit. Très bien. J'arrive, mon petit. Mais oui, bien sûr. Alors, un autre vie. What? Un canon. Très bien. YOLO! Eh ben non. Eh ben non plus. Oh, ouch! Ne pousse pas comme ça avec ta fourche. Et comme on est juste à côté du canon... Alors j'ai envie d'aller en face quand même avant. Bonjour! C'est ici que t'habites toi? What? What? Non, mais non! Non. Je me suis fait avoir comme une merde. J'ai honte. Non, faut que je refasse tout. J'en ai marre de ces drones. Oui, toi, tu vas te rater. Et bim, t'es mort. Il me semble que la porte est là. Oui, c'est ça. What? Pourquoi il a fait ça? Genre c'était la pose de... Oui, c'est cette porte! Oui, c'est cette porte! What? J'ai pas compris. Et bim, surprise du chef! Oh, c'était quoi ce bruit? Et les aliens nous attaquent maintenant en même temps, c'est ça le truc? What? Mes échos du sang. Je vois la petite traînée qui veut dire, ils sont là tes échos du sang. Oui, oui, oui. Mais je m'occupais de lui avant, là. Tu vas te calmer avec ton gros canon. Ah, pas possible, ça. Je récupère mes échos du sang. Et toi, vas-y, viens, viens, viens. Viens te battre. Raté. Raté. Wow, doucement. Tiens, prends ça. Ouais. Wow. Wow. Ok, très bien. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais pourquoi pas. Ah, apparemment, faut se laisser descendre sur la plateforme et c'est une zone secrète. Pour moi, elle m'a pas l'air si secrète que ça, mais... Entends-tu le vent qui souffle? Il y a un ennemi. Ok, je t'avais vu. Mais à quoi ça sert une zone secrète quand il n'y a rien à ramasser? Oh là là, j'aime pas quand ils font ça. Mais comment il m'a touché là? Tu vas te calmer, oui? Ou c'est moi qui te calme? Ok. Non mais oh. Oh, what? Je peux pas cibler. Oh, sapristi! Ne faites pas des coups comme ça, une nuit pareille. Je vous ai pris pour un monstre. Pour moi, c'est toi le monstre là. Hein. C'est vous qui avez abattu cet horrible monstre. Lequel? Cette chose m'a glacé le sang. Mais t'étais en train de bouffer un cadavre, non? On est d'accord. Oh, puisque vous êtes un chasseur, vous connaîtriez pas un endroit sûr? À
Allez, va à la chapelle. Alors, j'y vais. Merci. Vas-y. Il était temps que je bouge. Je peux pas me permettre de rester seul. Oui, c'est ça. Allez, vas-y. On se retrouve là-bas et je te tue et je ramasse ce que tu as. Prenez ça. Ah. C'est tout ce que je peux vous offrir en retour. Mais je m'en tape de ça. Merci, je peux pas me permettre. Ok, bon. Tout ça pour ça, en fait. Qu'est-ce qu'on a là? Le canon! Oui, je savais qu'il y avait le canon, hein, forcément, j'ai regardé les Solus. Mais apparemment, le canon est l'arme la plus puissante du jeu, l'arme secondaire la plus puissante du jeu. Donc, je propose qu'on s'en équipe. Voilà, tout simplement. Oh yes! Ça va faire mal, ça va être bon ça. Ouais, c'est juste un bon gros canon qui fait bien mal, comme on aime. Boum! Surprise du chef! Oh yes! Quoi? Il est même pas mort! Bon, il y manquait qu'un coup, mais... ne me tuez pas, s'il vous plaît. What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est? Tuez-le! Brûlez-le dans le feu! What? Mais non! 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 Je suis empoisonné, bordel! Je n'aime pas ça! Aïe! Bon, ça va en fait. Mais c'est juste fait avoir comme un bleu. Ça va, hein? J'aurais pu utiliser le canon aussi, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai oublié. Bon, apparemment, on va déverrouiller un raccourci à l'entrée du bois des bois interdits, là. Un raccourci qui va nous être très utile. Attends. Mais c'est... Non. Je suis en train de bugger parce que ça ressemble fortement au début du secteur, au tout début avant la lanterne. Mais en fait, non. Ah, en fait, pour déverrouiller les... Oh là là, je vais y arriver. Pour déverrouiller le raccourci, il faut prendre le petit ascenseur... Donc allons-y, parce que je sens que je vais pas tarder à arrêter cette vidéo. Oh mon dieu, il s'active tout seul, c'est brutal. Ok. Ne me tuez pas s'il vous plaît. Ah, mais si, il y a quelqu'un, mais what the... Deux antidotes, ok, c'est cool. T'es gentil ou méchant? Ah, et un chasseur accompli, à ce que je vois. Oh, c'est gentil. Arrête, je vais rougir. Je suis Valtre, maître de la Ligue. Mes disciples nettoient les rues des souillures causées. Ah, c'est vous qui ôtez les cadavres et le sang et tout, c'est gentil. Les chasseurs, à mon sens, oh, n'en ça va. Pas assez chacun de son ces boulot. Monstres, de ces répugnants mollusques et de ces médecins dérangés. Ces misérables moi, j'aime créatures bien. Ne méritent que la mort de votre main et de celle des autres. Et c'est conseillers. Ce que je fais déjà, et je suis alors, en train de brûler ton entrejambe, c'est magnifique. De rejoindre la Ligue. Quoi? Mais ça fait quoi si je la rejoins? Enfin... Ah, en fait, c'est suite à la mise à jour qu'on a débloqué, enfin, qu'on a eu il y a pas très longtemps, le 5 novembre exactement. La Ligue est un groupe de chasseurs qui ont pris des serments et se sont fixés un seul objectif. En vous alliant à la Ligue dirigée par un personnage mystérieux qui porte tenue de gardien, la paix avec un home, vous pouvez aider d'autres joueurs en ligne et intégrer le classement en ligne de la Ligue. En plus de la Ligue, les joueurs pourront aussi utiliser la canne de la Ligue et invoquer des PNJ alliés, idéal pour aborder une zone ou un monstre ou un boss difficile. Ok. Bah ça a pas l'air mal en fait, donc je vais rejoindre. Parfait. Je n'en attendais pas moins. Consacrez-vous corps et âme à votre tâche. Voici notre rune de Caril. Ok. Symbole de notre c'est gentil. Ligue. Impureté. La nuit. Oh, c'est un truc bleu, on n'en avait pas encore. Y est on va voir ça après. De leur pestilence. Vous voilà désormais prêt à tuer tout votre sou. Profitez-en. Bien. Collaborez avec vos compagnons, les autres confédérés de la Ligue. Non, voilà, c'est bien ce que j'ai vu. C'est cool, cool, cool. Et donc, nous voici. Mais tu vas te calmer, oui. Nous voici à l'entrée des bois interdits. Là où il y a la lanterne. Et donc, on va retourner au rêve du chasseur. Parce que là, on a beaucoup d'écho du sang. On a eu une autre rune, du coup. On va pouvoir faire tout ça.
Ok, déjà on va commencer par réparer nos armes. Tac. On peut... Ouais, je peux la fortifier. J'aime beaucoup ça. Je vais améliorer le canon aussi, vu qu'on vient juste de l'avoir. Voilà, ça fait du bien. Tac, et donc, la rune qu'il nous a donnée, l'autre, ça doit être une rune qu'on peut mettre là, voilà. Rune d'impureté, symbole du serment de la Ligue. Effet PV max augmenté en coop. Bon, le truc qui me sert jamais, mais c'est pas très grave. Eh bien voilà, il nous reste plus qu'à distribuer un peu nos points, là. Et on sera bon. Bon pour le prochain épisode. Alors, bim, 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 bim. Ce qui est déjà pas mal, on gagne pas mal de PV, de l'énergie, on fait encore plus mal. Ouais, ça me va. On est niveau 62 quand même, je sais pas s'il y a une limite ou autre, mais... C'est assez badass quand même, et on est qu'à la moitié, un peu plus de la moitié du jeu, hein, donc bon. Donc, c'est ici qu'on va arrêter cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à le partager, l'aimer et le commenter. N'oubliez pas, hein, c'est vraiment très important de partager la vidéo, ça prend que quelques secondes, donc voilà, n'hésitez franchement pas. Vous pouvez aussi regarder la description, vous avez un lien vers tous les réseaux sociaux, et aussi le lien pour aller voter pour moi, n'oubliez pas, hein, c'est comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, vous avez jusqu'à début février, mais faites-le assez régulièrement, c'est très très important pour moi. Et je vous en remercie en avance. En tout cas, on se retrouve très bientôt dans une toute autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et salut à tous.